Alors, correction du damier. Le damier, on était parti de ce superbe PDF. Il y avait deux scripts. OK, le premier qui utilise pile et puis qui, à première vue, crée une image codée en RGB de 8 pixels par 8 pixels. Et puis, grâce à ces deux boucles imbriquées, pixels donc rentre la valeur n 125 donc 125 125 125 donc trois fois la même valeur pour la valeur de rouge de vert et de bleu donc ça va me faire un gris et puis bah il fait ça 8 fois 8 64 fois donc ça va me faire une image de 64 pixels tous de la même couleur entre guillemets donc grise. Et puis ça va sauvegarder cette image dans mon petit dossier où j'ai enregistré le script et elle va s'appeler noir et blanc PPM. Donc elle devrait plutôt s'appeler gris. Ah bien. Et puis ça, c'est ça m'affiche dans le shell. Et puis en dessous, j'ai un deuxième script. Donc j'ai encore deux boucles imbriquées de 5 par 5. Ok. Ça se pose une question. Il y a un if. Alors si n est égal à 0. Donc cette ligne-là, la 3, la troisième, ça met 0 dans n et ça met 1 dans m. J'aurais pu écrire n égale 0 et puis en dessous m égale 1. Ça aurait fait exactement la même chose. Et puis ici, ça se pose la question, est-ce que n est égal à 0? Si c'est vrai, ça affiche a, donc la valeur de a, ça sera 0. Et puis ici, cette ligne-là, ben, ça prend la valeur de m. Ici, et ça la met dans n, et puis ça prend la valeur de n, et là ça la met dans m, donc ça inverse le couple nm. Si jamais n est égal à 0, alors n qui valait 0 vaut 1, et m qui valait 1 vaut 0. Sinon, sinon ça imprime b, et puis ça inverse nm. Ok, donc ces deux scripts, moi je les ai copiés. Dans le même, ces deux scripts où je les ai copiés dans le même programme. Ça, c'est la première partie, et puis ça, c'est la deuxième partie. Si je lance ce programme, hop, ça me fait D0, D255, donc ça, c'est l'impression dans le shell. Ça, c'est ce qui vient de ce print et de ce print, et puis cette ligne-là, c'est ce qui vient de cette ligne, enregistrement noir et blanc. Donc, en lançant, en ayant copié-collé dans le même script mes deux sous-scripts-là, ça doit me donner aussi une image dans téléchargement. Alors, ce script-là, une image noir et blanc. Et normalement, ce script-là, je vais quand même l'enregistrer. Save as. Il s'est mis dans Damier. Donc, je vais le mettre dans téléchargement. Comme ça, on sera sûr. Je vais l'appeler AAA. Enregistré, je vais le relancer. Ok, donc dans mon dossier de téléchargement, j'ai mon script et j'ai l'image noir et blanc qui a été créée à 15h43. Il est 15h44. Et si je l'ouvre avec GIMP, histoire de voir les pixels, j'ai bien une toute petite image de 8 par 8 là. Et donc là-dedans, comme ils sont tous gris, je ne vois pas mes pixels. Bien. Alors moi ce que je veux c'est faire un damier noir et blanc. Alors réfléchissons, réfléchissons. Moi je me dis que ce que je veux c'est un damier de 8 par 8 et ce que je veux c'est que mes points ils aient pas toujours la même couleur. Je veux qu'en fait ici ça soit tantôt n égale 0, tantôt n égale 255. On est d'accord? Bien. Et ici, j'ai un script qui me permet d'alterner 0, 255, 0, 255. Donc, je me dis, prenons cette logique qui intervertit les valeurs. OK. Une fois sur deux. On est d'accord? Je vais faire CTRL-C. Et puis, l'idée, c'est de le mettre ici. Alors, ça, je vais l'enlever. Non, je vais le commenter comme ça, j'en garde une trace. Et puis je vais me mettre au-dessus, CTRL V. Alors faites attention au décalage. Lui, 1, 2, 3, 4, c'est la première boucle. 1, 2, 3, 4, c'est la deuxième boucle. Ok, après j'ai deux points et donc ces deux trucs-là sont décalés, c'est bon. Ici, j'intervertis NM, donc il me faut les valeurs de NM avant.
Bon, ben, je vais cette ligne-là. Je dois initialiser mes variables, hein, enfin n et m, donc contrôle C, ben, je vais les mettre ici, hein, pof, contrôle V. Ici, ça va afficher A, B. Bon, ben ok, je vais prendre A et B aussi, contrôle C, je pourrais le mettre au-dessus. Toc. Et ici, ça m'affiche, sauf que moi, je veux pas que ça m'affiche A. Je me moque que ça m'affiche A. Moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que je vais dire que C égale A. Hop. Ici, je me moque que ça m'affiche B, mais je vais dire que C égale B. Et puis donc ici hein, ça fera la même logique que celle-là, ça me fera soit C égale 0, soit C égale B, et puis ben, je me dis que c'est cette valeur de C que je veux mettre là. Bon, donc là sans trop rien comprendre, qu'est-ce que ça va me donner ce truc-là? J'ai commenté hein, le N égale 125. Donc, si je relance ce programme, alors, il me dit qu'indentation, machin, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Ligne 22. Alors, ce truc-là, ça doit être là. Bizarrement, donc je relance, je vais peut-être fermer, non, je vais peut-être aussi fermer mon image. Ah, oh, j'aurais pu la garder, je crois. Et je vais relancer mon petit programme. Hop, ok, pas d'erreur. Donc j'ai toujours une image noir et blanc que je vais ouvrir avec GIMP. Donc voilà mon image noir et blanc. Et ici je l'ouvre. Alors je me dis, ben maintenant c'est plus gris, hein, mais c'est noir et puis blanc. Alors essayons d'expliquer le noir et puis pourquoi des traits noirs en fait. Donc moi ce que j'ai retenu de la fois dernière avec notre script découverte, c'est que x égale 0, y égale 0, c'est ce pixel-là, et puis après, il fait ça comme ça. Donc, on va dire qu'il commence par du noir, puis après, du blanc. Ça, c'est l'alternance, c'est mon if, c'est mon if et else qui fait ça. Puis après, c'est la troisième valeur, c'est noir, puis après, c'est blanc, puis après, c'est noir, puis après, c'est blanc, puis après, c'est noir, puis après, c'est blanc. Là, j'ai fait 8 cases. Mais la dernière case, là, de cette colonne, c'était blanc. Donc lui, après, il fait noir. Et il se retrouve aussi là-haut. Donc c'est pour ça qu'il vous colle de noir. Donc ce qu'il faudrait, c'est que j'alterne. Quand je change de colonne, il faut que j'inverse mes couleurs. Quand il attaque la deuxième colonne. Et là, je me dis, alors, il change de colonne, en fait, ici. Eh ben, si je lui dis la même chose que là, ça alterne, ça inverse. Je vais faire CTRL-C, et puis, alors, est-ce que j'ai le bon décalage? Oui, CTRL-V, alors le else, il doit être au même niveau que le if, donc ça, c'est trop décalé. Je pense que ça doit être bon. Hop. Et hop, et moi je me dis que ça va alterner. Si c'est la dernière couleur de la colonne, c'était blanc, ben ça devenait noir ici. Ben là, ça va le remettre blanc. Et ben moi je me dis que ça doit marcher. Si je lance mon petit script, pas d'erreur dans le script, cool. Et si je réouvre mon image, toujours la même, j'aurais pu lui changer de nom. Et ben là, j'ai un deuxième. Voilà, il est là, mon petit carré. Toc. Et là, j'ai mon truc. OK. Donc, ben voilà, c'était ce qu'on vous demandait. C'est une manière de faire. Alors, il n'est pas très beau, ce script, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé beaucoup mieux. Alors, si je vais sur Pronote, je ne sais plus qui m'avait fait un truc sympa. Mais c'était sympa. Alors, je vais aller dans mon cahier de texte. Oui, ben, j'y suis. La semaine d'avant, toc.
prévoir un QCM, c'est pas ça. Le damier rendu, je crois que c'était Lucille. Je vais prendre le script de Lucille, voilà, je viens de le télécharger, c'est cool. Donc dans mon petit téléchargement, là j'ai un script de Lucille. Tiens, je vais virer, je vais l'ouvrir. Eh ben oui, je crois que voilà, regardez, il est beaucoup plus clair le sien en fait. Donc on retrouve la même logique, ça c'est pour alterner les couleurs quand on change de colonne. Ici, on retrouve l'alternance, couleur égale 0 ou couleur égale 255, c'est injecté là-dedans. 5 par 5 pix, tiens je vais l'appeler damier. Donc ça c'est juste pour m'enregistrer un fichier damier M. Je vais le lancer. Donc ça marche. Tiens, je n'avais pas vu qu'il y avait ça aussi qui s'imprimait. Alors, image new. Ces prints là d'où viennent? Print XY couleur. Tiens, cool ça. Très très cool. Comme ça, j'ai effectivement. Voilà, ça c'est le changement de colonne. 6, 7 et après 7, 0. Alors j'ai un petit doute, donc je vais l'ouvrir. C'est damier. Si j'ouvre son superbe damier, ben c'est lui. Ça fait exactement le même que le mien. Ben je dis Lucille, très bien. Pof, voilà, c'était la correction. Je vais vous déposer la vidéo. Pour ceux qui veulent les programmes, ben faudra venir me voir. Voilà. Mais l'idée, c'est de comprendre les deux boucles imbriquées, XY, le if, le choix, l'alternance des valeurs, NM, que moi j'ai fait d'une certaine façon, mais que à première vue, Lucille a fait d'une manière beaucoup plus simple. Et quand je vois ça, alors supposez que ce soit vous hein, qui l'ayez fait, ma foi, je me dis, je serais tenté de penser que vous avez compris parfaitement. Voilà, fin de la vidéo.